va, j'espère que vous allez bien, parce que moi, ça va. Aujourd'hui, je viens vous parler de ma passion pour les pandas. Je pense que vous l'avez fortement remarqué, j'aime les pandas, je kiffe les pandas, je fais tout panda, j'ai un t-shirt panda, j'ai un panda ici, 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 là, 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 partout. Et là, rien que dans ma chambre, j'en vois partout. Je suis envahie par les pandas et j'adore ça. Donc je vais vous raconter un peu mon histoire panda. Tout a commencé quand j'étais au collège. Au collège, je recevais des cadeaux à Noël de ma sœur et ma sœur m'avait offert un bonnet panda. Je pense que c'est vraiment grâce à ce bonnet panda que je suis devenue aussi fan. Et j'ai commencé à le mettre un peu tous les jours. Je trouvais ça mignon, je trouvais ça joli. Elle m'aurait offert un bonnet raton laveur, je pense que je serais devenue fan de raton laveur. Et je suis fan de raton laveur. Voyons ici Meiko là, et Meiko ici, et Meiko là. Bref. Je vous ferai ma passion Meiko un autre jour. Et de plus en plus, mes amis me disaient « Ah, le panda, le panda, le panda !» Voilà, moi ça me faisait rire, j'avais enfin un petit surnom autre que par rapport à mon prénom, j'avais vraiment un truc qui me caractérisait. De fil en aiguille, d'année en année, j'ai pris parti sur des sujets qui me tenaient vraiment à cœur, et notamment tout ce qui concerne le nom Roger de l'eau. Et je me suis rendu compte que ma passion panda, de fil en aiguille, se tournait vers ça. C'est-à-dire qu'un panda, c'est noir, c'est blanc, c'est asiatique, c'est gros, ça ne fait que manger et que dormir, et pourtant, tout le monde aime les pandas. Demandez à n'importe qui dans la rue, demandez-lui, est-ce que vous aimez les pandas? Il va pas te dire, ah bah non, c'est moche, c'est nul, c'est gros, c'est machin. Vraiment, pour moi, c'est l'animal du non-rejet de l'autre. Et c'est vraiment un sens que j'ai mis derrière cet animal, c'est qu'il représente vraiment la valeur qui est la plus importante pour moi. Alors oui, il y a d'autres valeurs qui sont très importantes pour moi, l'honnêteté, l'amour, l'amitié, c'est des choses qui sont extrêmement importante et on ne peut pas vivre sans. Mais je pense que pour vivre dans un monde parfait, ça serait bien si on retirait tout ce qui est rejet de l'autre. Ah vas-y, t'es telle religion, ah vas-y, t'es telle couleur de peau, ah vas-y, t'es telle orientation sexuelle. Bah en fait, si tu retirais tous ces problèmes qu'il y avait à ce niveau-là, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de conflits sur Terre. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur, cette notion, et je trouve vraiment, mais sincèrement, que le panda représente ça. Je trouve vraiment que le panda a cette signification, ce symbole-là. Et voilà, comment j'en suis venue à aimer autant les pandas. Et après, évidemment, une fois que j'ai mis une signification sur cet animal, et bah j'ai commencé à tout trouver mignon. Je trouve tout. Kiki, tu me donnes n'importe quoi panda, je suis en mode oh trop bien. Mais attendez, regardez mon pyjama. Non mais sérieusement, qui a un pyjama comme ça? Genre vraiment, ça m'arrive ici, comme ça, là. Et genre, y a que moi qui trouve ça sexy. Vraiment? Je vais voir un mec, je lui dis bonjour, est-ce que tu me trouves sexy avec ça? Avec des petits pandas qui font coucou de la main, avec des petits bonnets et tout. Non, il n'y a que moi qui trouve ça beau et génial. Bref, j'ai le short assorti hein, évidemment. Je trouve tout ce qui est panda génial, j'achète tout panda, je suis fan et c'est pas compliqué. Si vous voulez me faire, enfin, quand mes amis me cherchent un cadeau à me faire, ils pensent panda et ils m'offrent n'importe quoi panda. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a rien de plus simple pour me faire plaisir. Bon, déjà que de base, il n'y a rien de plus simple pour me faire plaisir. Juste un bisou, ça me fait plaisir. Un dessin, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à tout acheter panda et puis j'ai commencé à regarder des vidéos panda, des pandas qui roulent, des pandas qui font des bêtises, des pandas. Et vraiment, plus je vois de photos et plus je vois de choses sur les pandas et plus je trouve cet animal mignon. Et en plus de ça, et ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, alors moins que le non-rejet de l'autre, mais tout autant, c'est l'environnement. Je tiens beaucoup à l'environnement, hein. C'est pas parce que c'est moi, genre c'est le non-rejet de l'autre est là, l'environnement est là, hein, collé ici. C'est tout bête, mais WWF, qui est une association qui lutte pour l'environnement, bah leur logo c'est un panda, et je pense que le panda a aussi une part à vivre dans l'environnement, parce que c'est c'est un animal qui est en voie d'extinction, et je trouve ça primordial que tous les animaux en voie de disparition deviennent nos animaux préférés. Voilà, vraiment, moi si je pouvais, si je devais intégrer une association pour l'environnement, ça serait pour les pandas, ou peut-être pour replanter des arbres aussi. Vraiment, je trouve que le panda a énormément de valeur. Tu croises un panda au zoo de Beauval, tu te dis pas « Ah ouais, environnement, ah ouais, non rejet de l'autre, etc. » C'est des mots et des significations que j'ai donné de moi-même. Libre à vous de prendre ce que vous voulez dans mon discours. Je trouve cet animal extraordinaire de ce point de vue-là, et c'est comme ça que m'est venue ma passion panda. De plus en plus, je lutte pour l'environnement. Je crois qu'il y a plus de pandas à l'état de captivité qu'à l'état nature. Je suis pas contre la captivité, tout simplement parce que ça permet à des animaux de vivre et de survivre. Alors oui, ça serait mille fois mieux s'ils pouvaient tous vivre dans la nature, si tous les animaux pouvaient vivre dans la nature, sans qu'il y ait aucun souci, aucun braconnage, etc. Mais malheureusement, on vit dans un monde nul, parce que le braconnage existe, parce qu'on tue des espèces qui sont en voie d'extinction. J'aimerais tellement, et je pense que c'est un de mes plus grands rêves, c'est de me balader en Chine, dans une forêt ou je ne sais trop quoi, et de croiser des pandas par hasard, ne pas les déranger, genre vraiment, ils sont là, moi je suis là, et je les vois et je suis...
des pandas en liberté. Et je pense que c'est un de mes plus grands rêves dans ma vie. Déjà, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves dans ma vie quand mes amis m'ont amené au zoo de Beauval l'année dernière. Comment vous dire que j'étais dingue, je n'avais pas encore vu un seul panda de toute ma vie en 20 ans de vie, alors que ça faisait 5 ans que je disais que j'étais fan de panda. Est-ce que vous imaginez? Donc vraiment, ça avait énormément de signification pour moi. C'est tellement important pour moi et voilà. Et je me suis étalée, je me suis répétée 15 fois, mais bon, tant pis, j'ai envie de dire. Si vous êtes là, c'est pour m'écouter parler de ma passion de panda, donc a priori. Et je vous en remercie parce que c'est tellement quelque chose qui me tient à cœur, les significations que je mets derrière le mot panda, derrière l'animal panda. Vraiment la chose la plus importante au monde, qui est le non-rejet de l'autre et l'environnement. Je dis que c'est légèrement en dessous, mais l'environnement c'est tellement important. On vit dans une terre où c'est pollué. J'avoue que je ne suis absolument, mais très très loin d'être parfaite sur l'environnement, mais je pense que si chacun faisait déjà ce qu'il avait à faire, je pense que l'environnement c'est quelque chose qui nous concerne tous et qui est super important pour tous, et il faut que tout le monde fasse quelque chose pour l'environnement. Prenez votre vie, réfléchissez à une seule et unique chose qui pourrait faire en sorte que l'environnement aille mieux. Voilà, vraiment je suis trop fan de panda et je les aime, c'est trop mignon, c'est trop rigolo. Ça a vraiment beaucoup de signification pour moi. J'aime les pandas. Et vous, est-ce que vous avez une passion particulière pour un animal? Dites-moi tout en commentaire, je serais ravie de le savoir. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air. Si ma chaîne te plaît en général, n'hésite pas à t'abonner. Et surtout, passe une belle journée. Bisous les pandas, bye bye. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner. Abonnez-vous les abonnés, si vous êtes abonnés, il n'y a pas besoin de vous abonner.